c'est Lila de La Maille qui murmurait à mon oreille. Bienvenue sur ce deuxième podcast et merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé au premier. C'était vraiment très gentil à vous, toutes les vues, tous les commentaires, les abonnements, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et merci beaucoup. Et puis merci à Emma qui a parlé de moi évidemment dans son podcast. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous ont atterri sur ma chaîne parce que moi, j'en ai parlé à personne, en fait. Donc, personne ne sait autour de moi que j'ai fait un podcast. Hein. C'est un secret. Enfin, je ne sais pas jusqu'à combien de temps, mais... Enfin, pendant combien de temps, pardon. J'ai pas tellement de projets finis, même pas tellement, j'en ai qu'un. Tout d'abord parce que, comme vous tous, c'était les vacances, je tourne ça, je ne sais plus combien on est, le 22, 23 janvier, 23... Non, plus que ça. Non, je ne sais plus. Mais il y a eu les vacances de Noël, les fêtes, etc. Et moi, j'ai reçu mes deux aînés qui sont en école supérieure, en études supérieures aux quatre coins de la France. On est tous un peu dans des endroits loin les uns des autres. Bah, pendant les vacances, c'est le moment où on arrive à se retrouver et à se voir parce qu'ils ne peuvent pas rentrer le week-end. Et j'en ai un qui est à Lille et l'autre qui est à Vannes. Hein, donc, Vannes... Ça pourrait se faire, mais bon. Bref, tout ça pour dire que pendant les vacances, j'ai eu mes aînés en plus de mes deux loulous qui sont à la maison, ce qui fait que ben, on était six. Et effectivement, il n'y avait pas tellement de temps pour le tricot, à vrai dire. Mais ça m'allait très bien, on a profité de ces moments. Eh bien, j'ai la voix qui part, c'est sympathique. Tout d'abord, je vais commencer par ce que je porte. Donc c'est le pull Luz d'Atelier Emily que je vous ai présenté la dernière fois, que j'ai un petit peu critiqué. En fait, c'est marrant parce que je l'ai porté du coup après le podcast en me disant « Tiens, quand même, donne-lui une chance, t'aimes trop la couleur et tout. » Et je le trouve bien agréable à porter. Plus agréable que ce que je mettais... Alors peut-être que avec la chaleur du corps, je ne sais pas, la laine... La laine se forme ou se réchauffe et du coup ça devient plus agréable. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça, je le trouve bien, même s'il a des défauts, je vous avais dit. Alors donc, c'est Luz de Atelier Emily. Oh, c'est le bazar ce podcast. Parce que les manches sont un poil courtes, pourtant, j'ai fait attention, mais voilà. Et bon, il m'arrive, là. J'aurais pu le faire un petit peu plus long aussi. Mais bon, ça va. On va dire que j'aime beaucoup cette couleur péchu et que du coup, je le trouve très doux. Cette laine Tilia Ficolana est vraiment super douce. C'est la première fois que je tricotais cette laine et ce fil. Je trouve ça vraiment très, très agréable. La couleur, c'est Azalée. Je regarde mes notes. Un coloris Azalée 360. Donc voilà. Eh bien... pour ce petit pull. Ensuite, je vais vous montrer le seul et unique projet terminé, qui n'est pas d'une grande envergure, on va dire. C'est celui-ci. Ça s'appelle, comment il s'appelle? Je crois que c'est le Soghead Cowl. Et que j'ai... c'est dingue parce que je prends des notes, mais je ne sais pas où regarder. J'ai des notes absolument partout. Bah oui, enfin bref. Donc, je l'ai tricoté en deux brins. Moi, c'est ça, c'est Soghead Cowl. En deux brins mélangés. Alors, la petite histoire. J'avais pas prévu particulièrement de tricoter ce col, mais en fait, j'avais acheté il y a longtemps cette laine qui est là mélangée avec un fil de... qui est mélangé avec du kit silk écru. Ça, c'est le coloré, là, le fil coloré bigarré que vous voyez. C'est un fil de chez Katia qui s'appelle Merino 100% Craft. Et c'est le coloris 206. Et en fait, c'est assez rigolo parce que c'est un fil qui fait effectivement qui est chamarré, qui a plein de petites couleurs. Alors, il y a du vert, de l'orange, du violet, du rouge, du bleu. Voilà. Et je le trouvais sympa. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je crois que vous avez une idée. En revanche, quand je l'ai reçu, au début, c'était pour faire quelque chose au point brioche, parce que je ne connais pas cette technique.
Et j'avais vu pas mal de vidéos qui disaient qu'effectivement, il fallait trouver des couleurs bien contrastantes pour qu'on voit bien les rayures. C'était pour un châle. Donc j'avais pris cette même laine en mérino noir et je comptais faire des rayures avec ce coloris chamarré. Et puis, j'ai essayé quand même, pas avec cette laine, mais j'ai essayé de m'entraîner d'abord avec un autre fil. J'ai trouvé ça hyper compliqué. Ça m'a paru trop difficile pour moi pour le moment. Et en plus, j'étais pas du tout certaine du rendu. J'en avais discuté d'ailleurs avec Emma et qui m'avait dit « Oui, faut faire attention que ça fasse pas trop zèbre. » Et elle avait pas tort, même, voilà. Du coup, j'avais ces pelotes dans mon tiroir et je savais pas quoi en faire. D'ailleurs, j'en ai encore parce que ça n'a pas pris... toute la laine que j'avais, mais donc je ne sais pas parler. Hein. Et du coup, je l'ai mélangé avec ce fil écru pour l'adoucir un petit peu et puis donner un petit côté un peu poilu comme ça. Et je me suis dit, en accessoire, en col, ce sera très bien. Et en fait, je trouve ça plutôt chouette parce qu'effectivement, ça donne une petite pointe de couleur. Attention, je disparais, mais voilà. Sans pour autant être too much, je trouve. Donc on peut le porter comme ça, un peu, puis ça tient super chaud. On peut le porter comme ça s'il y a du vent, ça va me rappeler Montréal, Canada. Hein. On peut se couvrir, et là j'ai de la buée sur les lunettes, c'est super. Ou on peut faire un petit revers comme ça, façon col roulé, et j'ai plein de laine, c'est sympa aussi. Donc voilà, je ne l'ai pas encore étraîné dehors, j'avoue, je mange de la laine. J'avoue que j'attendais de filmer ça pour pouvoir le sortir un peu. Puis là, il fait un froid, enfin je ne sais pas chez vous, mais moi je suis en Loire-Atlantique, au bord de la mer, du côté de Pornic. Et là, on a des petites températures, j'avais oublié, avec l'humidité, tout ça, c'est... Mais bon, du coup, ça, pour aller balader mes chiens sur la plage ou dans la campagne, je pense que ça peut être sympa. Parce qu'en plus, quand on a trop chaud, hop là, tic, ça encombre pas. Enfin, je veux dire, c'est pas le gros machin qu'il faut dérouler. Donc voilà. Eh bien, c'était le seul et l'unique projet terminé. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà. J'ai bien fait de revenir, moi. Je rigole toute seule. C'est super. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, j'en ai quand même en cours. Je mange encore de la laine. Hein. Puis comme je suis pas douée au montage et que je ne sais, c'est mon fils qui avait fait le montage, et encore je n'avais pas fait le montage, mais qui m'avait aidé à importer la vidéo, importer, je sais pas, la vidéo. Là, je vous assure que ça va être une autre histoire parce que c'est moi toute seule. Bref, donc des projets en cours, j'en ai. J'ai le No Frills. Alors attendez, est-ce que quand même, j'ai une petite fiche où j'ai noté les choses. Voilà, le No Frills Sweater de Petite Knit. Que j'ai, moi, alors je vais vous montrer, c'est... Mais enfin, je n'ai plus de voix, qu'est-ce que c'est que ça? Et je ne fume pas. Voilà. Donc, il est bien en cours quand même, hein, on peut le dire. Tic, 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 tic. Je crois que je suis dans le mauvais sens, voilà, ça c'est le devant. Donc, moi je l'ai tricoté avec deux brins, un de Flora de Drops en gris moyen et un, parce que si vous m'avez suivi, j'ai quand même de la Flora en stock. Et un autre, c'est la Manestral de Camarose qui est en coloris 90-04, qui est un gris assez clair que j'ai là, avec un peu de brillant dedans. Mais du coup, je l'ai mélangé avec celle-ci. Alors, je sais que théoriquement, apparemment, il faut que le mohair soit plus foncé que l'autre brun, sinon ça se fond moins bien. Moi, j'ai pas suivi ça. En fait, j'avais essayé ça avec le gris plus clair et je trouvais sincèrement que c'était tristoun, enfin que c'était un peu pâle. Donc, j'ai voulu redonner un petit peu de. Puis, j'ai déjà un pull qui est assez clair comme ça. Je me suis dit, allez,
Changeons un petit peu dans les nuances de gris. Lila, tu as des références absolument formidables. Donc, du coup, voilà. Alors, effectivement, ça donne un petit côté chiné, mais qui n'est pas pour me déplaire. Et je trouve, en revanche, qu'on ne voit pas franchement les petits trucs brillants. Alors, bon, on va voir à la lumière quand je le porterai. J'imagine que sur moi, ça se verra un petit peu en fonction de la lumière. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je parle vite, hein? Non? Ah, mais je fais tout tomber, mais c'est incroyable. Il a le bazar. Alors, j'ai fait des côtes torses 1-1 pour l'encolure. Ok, ok. Je sais pas si j'ai bien fait. Bah, oui, je pense, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris quelques petites libertés, mon Dieu. Des petits changements sur le patron. Pas grand chose. Pour le corps, en théorie, on fait des diminutions à la fin que je n'ai pas faites. Parce que moi, j'aime pas trop le côté bombers ou pull trop resserré, c'est pas ma tasse de thé. Du coup, j'ai préféré ne pas faire de diminution et faire des côtes 1-1 classiques afin que le rabattage soit plutôt... plus élastique qu'en côte torse, ce que je vous avais dit la dernière fois. Alors là, je me suis, j'allais dire embêtée, mais oui, un peu quand même, à faire donc un rabattage à l'aiguille. Mais mon Dieu, que c'est long. Parce qu'il y a quand même de la maille là. Hein, j'ai trouvé ça super long. Alors effectivement, c'est joli. Ouais, c'est joli. Je sais pas trop si... C'est un process qui n'arrive pas à être quelque chose de naturel chez moi et automatique. Donc, je réfléchis quand même vachement à où j'en suis, et je suis un peu tendue tout le temps, tout le long du processus parce que j'ai peur de m'être plantée. Et en plus, je pense que pour se planter, quand c'est du rabattage, ça ne va pas être simple de défaire. Ça ne m'est pas encore pas trop arrivé. Donc là... Voilà le petit changement que j'ai fait, pas de diminution, et puis voilà, des côtes normales, 1-1. Là j'en suis, donc j'ai fait une manche entièrement, comme vous pouvez le voir. Cette fois j'ai fait des grands bras, hein. J'ai essayé, j'ai mis mon petit Scooby-Doo, qui est je sais pas où, qui est là. C'est le bazar dans mon panier, voilà, j'ai un petit Scooby-Doo comme ça. Ah oui, j'ai un petit panier avec tout mon bazar qui est super. Donc, j'ai essayé le pull. Je suis quand même assez fière de moi parce que je l'ai essayé plusieurs fois en me disant « Non, mais Lila, cette fois, tu ne vas pas te faire avoir avec des manches trop courtes. Il ne faut pas exagérer. » Et j'ai fait aussi des petites modifs, à savoir que théoriquement, il y a des diminutions très rapidement au niveau des manches. Et moi, je les ai fait à 10 cm du bord. J'ai commencé à 10 cm de l'emmanchure. Parce qu'encore une fois, moi, j'aime pas tout ce qui est très serré au niveau des... Je ne sais pas pourquoi. C'est comme les cols qui serrent là. Quand ça serre au bras, moi, ça me... Voilà. J'ai l'impression que je suis ficelée. Libérez-moi ! Voilà. Donc, je mange mes cheveux. Donc, j'ai commencé les diminutions à partir de 10 cm, là, à peu près. Et ensuite, j'ai fait comme préconisé, c'est-à-dire, je crois que c'est tout... C'est tous les quoi? Tous les sixièmes rangs, un truc comme ça. Donc, ça, j'ai fait ça. Je me suis évidemment... À la fin, on doit faire beaucoup de diminutions sur le dernier rang. Afin d'obtenir en fonction de sa taille un certain nombre de mailles. Moi j'ai la taille M, donc j'aurais dû avoir 51 mailles, mais comme Lilette, elle sait pas lire, hein, voilà. Mais je fais des tours de riz en ce moment, c'est dingue. Enfin, c'est pas très grave. J'ai enlevé un nombre de mailles comme pour la taille S, sachant que moi j'ai pas des grands poignets, donc finalement ça n'a aucune importance. Voilà, je l'ai essayé dans le bon sens, je vous rassure, et ça va très bien.
Donc je l'ai noté parce que pour la deuxième manche, ce serait bien que je fasse la même chose quand même. Parce que je suis capable, hein, de... Voilà. Là, j'ai fait un rabattage élastique. Je sais. Je vous le noterai aussi, je vous mettrai. J'ai trouvé une vidéo de Claude Tricot, c'est le Jenny, voilà, super élastique. Voilà, c'est un nom en anglais, mais je ne sais plus lequel. Je vous mettrai sa vidéo. Et ce que j'aime bien, c'est que là, ça se fait avec les aiguilles et le fil. Il n'y a pas besoin de prévoir la longueur de fil. C'est ça que j'aime bien. C'est que moi, ce qui m'a stressé quand même pas mal avec cette histoire de rabattage à l'aiguille, c'est qu'il faut alors prévoir 4 fois la circonférence de son tricot. C'est déjà pas forcément évident à calculer. Puis on se retrouve avec des quantités de fil à tirer l'aiguille, là, avec le fil. On est comme ça au début, quoi. Hein. Donc, voilà. Là, il n'y a pas ce problème. Tout se fait avec l'aiguille, le fil qu'on a. Pas besoin de couper, pas besoin de calculer. Et ma foi, c'est bien élastique. Je trouve ça agréable. Et c'est pas mal. Ça fait une petite finition qui est pas mal. Ça fait pas trop comme ça, là. Souvent, il y en a qui font un peu trop chou-fleur. Ouais, je sais pas comment... Bref. Non, j'aime bien. Et j'en suis là, à ma deuxième manche, comme vous pouvez le constater. Voilà, ça suit son cours. Donc, moi, j'ai des petites aiguilles circulaires, enfin, petites... comme ça. Et quand j'ai trop d'émissions, au bout d'un moment, je repasse sur un grand câble pour faire le Magic Loop, parce que sinon, ça me stressouille un peu. Enfin, c'est que c'est pas agréable à tricoter, c'est trop tendu. Donc, je finis en Magic Loop, ouais, je sais pas à partir de quand, mais je dirais à partir de là, peut-être. Ouais, ça doit être ça. À partir de là, ouais. Et du coup, ça va assez vite. Ouais, ça va assez vite. Je suis assez contente parce que mes côtes, qui sont des côtes classiques 1-1, mais sont bien resserrées. Enfin, je trouve qu'elles font pas moches. Voilà. Donc, à l'usage, je pense que c'est un pull qui méritera d'être bloqué pour que la laine prenne bien sa place, etc. Et avoir une idée un peu plus précise du rendu final. Mais voilà, agréable à tricoter le No Frills, pas de difficultés particulières, sincèrement, surtout quand on fait des modifications comme moi, qu'on s'embête pas à faire des diminutions. Voilà, je pense que c'est un bon basique avec les raglans comme ça, là. Mais comme c'est du chiné, vous verrez rien en fait. Hein. Ouais, c'est chiné, hein. C'est chiné. Donc voilà pour mon premier projet en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors. J'avais envie d'un gilet. Donc j'ai deux gilets que je vous avais présentés la dernière fois. Un de toujours petite knit, qui est kaki, je vous avais dit que c'est pas tout à fait, enfin bon, que j'aime beaucoup, et un autre bleu, toujours de chez Petite Knit. Et je me suis dit, tiens, il me faudrait un troisième gilet, on n'a jamais assez de gilets, surtout si comme moi, t'as chaud, t'as froid, enfin voilà. Et j'ai cherché, et je me souviens qu'il y a longtemps, je crois que c'était Pink Flamant Rose qui avait fait une vidéo, elle montrait ses tricots et elle portait ce gilet, qui est le gilet coquille. Alors, que je prenne ma petite fiche, c'est très très bazardier mon histoire. Voilà, c'est le gilet coquille, vous verrez pas grand chose, si peut-être, je sais pas, qui est d'Emma Duché, qui est plus connue sous le pseudo Encre Violette sur Instagram notamment. Et j'avais jamais tricoté de patron de cette designer. Alors pour moi, c'est un vrai challenge. Je vais vous montrer ça. C'est là quand je vous disais que moi, j'ai pas de notion d'espace, je n'arrive pas à percevoir le projet terminé, etc., etc. Là, ça m'a confrontée, mais alors... à toutes mes plus grandes difficultés. Mais c'est bien, c'est très très bien.
Donc je tricote celui-ci en quoi déjà? Je crois que c'est encore de la... Est-ce que j'ai noté? Oui, j'ai noté. Flora et la Kitsy de Drops, toujours, écru. Donc moi, j'aime beaucoup ce motif coquille. Je trouve ça très poétique. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est un côté hyper poétique, hyper délicat, et j'avais envie de poésie et de délicatesse en ce moment, allez savoir, peut-être les temps qui courent, peut-être le Covid, on en a marre, tout ça, je ne sais pas. Puis je trouvais que ça me... Entre deux cotons-tiges dans le pif, ça me distrayait un peu, quoi. Hein? Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, les garçons qui contactent, nanani, nanana, bref. Voilà, donc ça, j'avais envie de cette poésie-là, et ben, je ne suis pas déçue par la poésie. En revanche, au niveau de la construction, alors que je vous explique, si tant est que j'arrive à être un tout petit peu claire dans mes explications, on... Voilà, on monte des mailles, là, tac, 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 pour faire l'encolure. On travaille sur des rangs raccourcis, clic, clic, et on déroule des bandes de motifs qui changent à chaque fois. Enfin, on a un diagramme, hein, mais comme vous pouvez le voir, les coquilles sont en quinconce, ce qui veut dire que forcément, la grille ne va pas être la même, il faut compter un certain nombre de mailles avant de démarrer un motif, que ce soit la bande 1, la bande 2, la bande 3, enfin voilà. Donc jusque-là, déjà, je me suis dit, arrivée à la fin des rangs raccourcis, j'avais relu un de vos commentaires et je me suis dit, mais ouais, mais c'est vrai Lila, pourquoi tu le fais pas? Quelqu'un me disait, mais moi je mets un fil de sûreté quand je suis pas très sûre de moi. Eh bien voilà, très modinée, merci du rappel. Donc j'ai mis un fil de sûreté juste avant le motif, là, en me disant, si jamais tu foires ma belle, ben t'auras pas tous les rangs raccourcis à recommencer parce que... Là, j'imagine que récupérer sur des rangs raccourcis pour savoir où on en est. Oulala. Donc, j'ai mis un petit fil. On voit encore un peu la trace, mais je pense qu'au blocage, ça ne se verra plus. Et une fois que j'ai bien compris comment on faisait le motif, j'ai enlevé le fil. Alors, on tricote, on va dire, jusque-là, on a les retours, hein. De toute façon, c'est toujours en aller-retour parce que c'est un gilet. Oui, bien sûr, Lila, bien sûr. Donc, on tricote jusqu'ici. Ensuite, c'est là où ma visualisation dans l'espace est un petit peu compliquée. On vous dit quoi? Oui, non, parce que j'avais mis des mailles en attente. Non, on dit, reprenez le rang de montage, je crois que c'est ça. Oh là là, c'est brouillon, ma chérie. Et il faut repartir dans l'autre sens. Il faut repartir dans l'autre sens pour faire les devants. Mais moi, comme on tricote à plat au départ, et que tout ça, ça n'a pas de volume, ça n'a pas de... Enfin, c'est pas clair. On a quelque chose, vous verrez pas, parce que c'est... On a quelque chose qui est comme ça. Donc, on reprend les mailles là, et il faut aller dans l'autre sens. Et moi, j'étais là, enfin, dans l'autre sens. Le motif est dans le même sens, mais je me suis dit, mais comment ça marche? Et tout d'un coup, quand il y a eu un petit peu d'ampleur, j'ai compris que ça venait devant et que ça allait créer le motif. Voilà, dos et devant. Enfin, déjà, j'ai du mal à être claire et à m'expliquer, mais alors, heureusement qu'en Creviolette, je lui ai envoyé des messages sur Instagram. Je lui ai dit, écoutez, je suis perdue, je sais pas comment faire, machin. Et elle a été super sympa, je lui ai fait des photos, elle me disait où j'en étais là, ce qu'il fallait que je fasse et tout. D'une patience, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les designers, hein, j'en conviens, et voilà. Mais je l'ai trouvée super gentille, je me suis excusée platement 20 fois, parce que t'as là un peu nunuche quand même, hein. Mais finalement, ça c'est fait, et donc ce qui est assez rigolo aussi dans la construction, c'est qu'à partir du moment où on arrive au niveau de l'emmanchure, là, du bas de l'emmanchure, on reprend les mailles qui avaient été laissées en attente dans le dos, pour là, tricoter toute la bande, ben, ça fait tout le tour, quoi. Tic, 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 on fait en une seule fois. Donc c'est une construction quand même en trois volets qui n'est pas...
qui n'est pas pour moi quelque chose de facile, dans le sens où, encore une fois, comme je ne coupe pas, je pense que quand on coupe, sincèrement, enfin, je coupe pas, c'est aussi le serpent qui se mord la queue. Si je coupe pas, c'est parce que je ne sais pas visualiser dans l'espace. Mais comme quoi, je ne lâche pas l'affaire. Hein. Voilà, je ne lâche pas l'affaire. Je continue. Mais du coup, ça m'a demandé intellectuellement un gros effort de visualisation, de projection. Et je me disais, ce qui serait bien, c'est que dans les patrons, les designers fassent des dessins avec la phase 1, 2, comme un Lego, comme quand on monte un Lego. Pareil, quoi. Le truc, moi, j'aime bien monter des Lego avec mes enfants. Je trouve ça top. À Noël, on s'est fait la table remplie de Lego. Et chacun, pourtant, ils sont grands, hein, 20 ans, 20, 21 ans bientôt, 18 ans, 16 ans, bientôt 14 ans. Et on s'est fait des Lego, mais super Lego party. Et ben, je trouve ça chouette parce que là, on voit les étapes, on arrive à voir la construction par couche, par machin. Je trouve que le tricot, il faudrait que ce soit quelque part un petit peu pareil. Donc, je avis aux designers, s'il y en a un jour qui me regarde, de faire un schéma avec, en montrant vraiment ce que ça donne. Ça permet de visualiser où on en est, parce que quand on commence quelque part là et qu'ensuite on dit « Ah, faut reprendre là, puis redescendre de l'autre côté, machin », on a du mal à s'imaginer où ça va. Et après, faut reprendre les mailles, on fait tout le tour. Enfin, bon, une fois que c'est lancé, ça prend forme, donc, mais il faut quand même de la surface, quoi. Et puis, je ne suis pas au bout de mes peines parce que j'ai encore des bandes, évidemment, à faire. Je crois que ce gilet, il est porté un petit peu... voilà, il est loin d'être terminé, mais il est plus... je ne suis pas sûre qu'il soit très, très long. Donc, j'ai regardé sur Ravelry, j'ai vu des femmes qui disaient qu'elles avaient rajouté une bande de coquille aussi, donc c'est pas... c'est pas impossible que je rajoute des bandes, on va voir si j'ai assez de laine, si je suis pas trop perdue, si ça me va. Et puis les manches, il y a aussi des motifs sur les manches, d'autres motifs avec un autre truc. Donc, et ensuite, si j'ai bien compris, j'ai pas encore lu la fin, parce que moi je me réserve des surprises, hein, je veux pas regarder tout d'un coup, sinon... ça va me décourager parfois, donc j'attends. Mais il va falloir que je reprenne des mailles, j'imagine, et que je tricote la bande de boutonnage. Voilà, donc ça, mais alors c'est le projet que je voulais un truc où j'ai besoin de réfléchir. C'est là où tu te rends compte quand même, la maille, elle murmure aussi, que quand t'es pas dedans, quoi. Le dessin, le diagramme, c'est pas qu'il soit très très compliqué, mais comme ça change à chaque ligne... je ne peux pas m'en souvenir. J'ai une vague idée de ce qui se profile, mais je ne peux pas lâcher le diagramme. Donc déjà, c'est pas un truc instinctif et réflexe, mais c'est ça que je voulais, hein, en même temps. En revanche, faut vraiment être dedans, quoi. Faut vraiment être dedans. Et je me suis rendu compte que quand j'ai un projet comme ça, il faut que je trouve, j'avais une grande envie, mais je ne sais pas si ça existe, de faire des petites choses en complément pour pouvoir me couper. Parce que là, j'avais le pull et ça, le gilet, ça fait des gros gros morceaux. Donc, c'est pas facile. Et je me disais, tiens, j'aimerais bien tricoter d'autres trucs. Je ne sais pas s'il existe des accessoires sympas, un peu modernes, pas trop DIY, quoi, qu'on peut faire. Est-ce que vous connaissez des patrons de choses, je sais pas, soit pour la maison, soit des accessoires pour soi. J'hésite même à refaire un truc de petite knit, encore un sac ou une pochette, mais il y a souvent de la couture. Mais bon, je me dis quand même, en tout cas, j'ai envie de petits projets courts. Comme moi, je suis pas hyper madame chaussette, j'avais envie d'un petit projet un peu court comme ça. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est en cours. Je termine d'abord le no frills avec la manche pour pouvoir avoir la sensation d'avoir terminé quelque chose avant d'entamer autre chose. Donc celui-là, je le finirai après, parce que je pense que celui-là, j'en ai pour un moment encore. Hein. Et peut-être que à côté, je chercherai des petits projets plus courts. Enfin, j'ai déjà... j'ai déjà d'autres idées. Alors, vous allez vous rigoler peut-être. J'avais fait un
Super Mango, Emma 1. Je crois que tu l'avais vu l'été dernier, Super Mango. Celui-ci, alors, mais je vous l'avais montré d'ailleurs, hein, mes copines trouvent qu'il est super chouette et tout, mais je voulais un truc d'une couleur un peu plus chaude, on va dire, et pas hivernale, mais une laine un petit peu plus, enfin, différente, quoi. Et je savais pas, alors je sais que Emma, elle l'avait tricoté en, voilà, Cascade Yarns, mais je regardais la couleur et tout, je savais pas trop. Ouais, encore une fois, je mélange. Et l'été dernier, donc comme quoi ça date, hein, j'avais là, toujours avec Emma, j'avais discuté, elle me dit, mais regarde, la Puna, c'est pas mal et tout. Alors ouais, sauf que... mais là... la nouille. On va pas dire que je suis pas allée loin dans le projet, hein. Regardez. Tout ça. Tout ça pour que je laisse tomber, mais... Ça fait depuis l'été dernier qu'il est sur mes aiguilles. Donc au bout d'un moment, Lila, tu dois te dire s'il n'est pas terminé, c'est que tu l'aimes pas en fait. C'est qu'il y a un truc qui déconne. Et ben oui, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que j'ai eu le déclic. J'ai l'impression d'être dans le Père Noël est une ordure. Joyeux Noël, Félix. Je sais pas si c'est la couleur avec le côté hyper déjaugé qui fait que... Mais j'ai l'impression que c'est une serpillière, ce truc. Donc, j'ai de la Puna. Hein. Alors, je vais le défaire parce que je pense que la Puna, je la garde pour autre chose. Mais ça, non. Ça va pas être possible. Donc, du coup, mais comme quoi, je suis un peu con quand même. Parce qu'elle est jusque-là pour me dire, mais... Tu crois pas que si tu le finis pas, c'est que ça te plaît pas ou voilà. En plus, quand j'ai commencé, j'ai fait ouais, c'est un style un peu bizarre. Mais puis la couleur, je pense que c'est avec ce gris là, ben ça fait franchement ouais. Joyeux Noël, Félix. Bref. Du coup, je suis allée vers la Cascade Yarn en me disant Lila, fais-toi plaisir, tu n'achètes jamais de laine vraiment dispendieuse. Alors, j'ai pris la Cascade Yarn moi aussi. Et j'ai pris ce rouge. Avec Emma, on en discutait. Et, alors, soyez indulgents, hein, c'est la première fois que je mets en pelote un écheveau. Alors, j'ai regardé plein de tutos pour savoir comment mettre... parce que c'est un peu flippant, on entend dire que si jamais tu fais des nœuds, c'est la fin des haricots, tu pourras plus jamais tricoter, nan. Donc bon, quand même, tu te dis, faire attention, hein, ma poulette. Du coup, j'ai mis les deux chaises, j'ai regardé. Et moi, ce que alors, je ne l'ai pas commencé, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. J'espère que oui, je l'ai mis en cake hier. Mais j'ai fait en sorte d'avoir le fil à la fin et de dérouler par le milieu. Voilà. Et j'ai trouvé un petit tuto rigolo où en fait, parce que j'en ai vu plein, notamment autour du pouce et tout, mais je me suis dit... andouille comme tête, tu vas te faire un garrot. Je me voyais mal avec mon pouce comme ça. Donc je l'ai fait, j'ai vu un tuto marrant avec un rouleau de papier toilette. En fait, on coupe, on fend le carton et on met le brin de laine, on le coince et après on prend le rouleau dans la longueur, là, on fait tac, 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 tac. Et puis ensuite, on fait, bah, comme tout le monde dit, un peu en oblique pour que ça se soit jamais droit, quoi. Bon, il n'est pas si mal, hein. Parce que moi, j'ai pas d'appareil pour ça. Donc, bon, j'en ai d'autres, des chevaux. Mais là, j'en ai fait un en me disant... je sais plus combien j'en ai acheté. 3, je crois, pour faire le châle. Donc, j'attendais de vous montrer ma serpillière, là. Pour pouvoir le détricoter. Et commencer le Super Mango qui, je pense, sera vachement mieux dans cette laine, quand même. Donc, voilà. Et puis, la couleur, déjà, même si... Le principe, c'est que ce soit déjaugé, mais je pense qu'avec une laine plus colorée, plus rigolote, enfin, oui, ça fera pas l'effet serpillière que j'avais avant. Enfin, j'espère, hein, parce que, alors là... Donc, ça, c'est à venir. Autre chose... Ah, ouais. Alors, je vous ai dit juste avant que j'étais pas chaussette, mais, en fait, j'ai vu... sur internet un modèle de pull qui reprenait ce motif là jacquard. Alors mon imprimante elle a beaucoup déménagé, elle a vécu les grands froids au Canada et puis ensuite elle est rentrée, elle est restée en entrepôt là
en garde-meuble pendant un an, donc je pense qu'elle est au bout de sa vie, l'imprimante. Donc elle fait un, on s'en sert comme ça, mais c'est pour ça que la plupart du temps, j'imprime pas, moi. Mais là, c'était pour vous montrer. Est-ce que vous voyez cette petite rose ancienne? Je trouvais ça trop mignon. Donc moi, j'ai vu un modèle de pull avec ces petites roses-là, avec des couleurs où en fait, je crois que le pull est en bordeaux, rouge foncé, bordeaux comme ça, avec les petites roses et puis des crues. Je trouvais ça ravissant, ça me rappelle la vaisselle ancienne que j'ai chinée d'ailleurs, que j'aime beaucoup, avec des petites roses, enfin, très, très mignon. Du coup, je me suis dit, du coup, je vais commander de la laine pour faire des chaussettes. Et on va voir si avec ça, j'arrive à faire un motif. Peut-être qu'un de ces quatre, je me lancerai sur un pull. Mais je n'avais pas très envie de me lancer directement sur un pull. Voilà. En plus, ça me donnera l'occasion de tester. J'avais acheté des mini circulaires que je n'ai jamais essayé encore. Voilà. Alors, j'ai commandé. Et bien d'ailleurs, c'est chez... Ah oui, je voulais vous en parler parce que j'ai commandé chez Lil Wessel. La cascade, je crois. J'ai commandé l'Arvetta, cette laine-là. Et alors moi, les seules chaussettes que j'avais tricotées, c'était la laine de Drops, là, la Fabel classique. Mais je trouvais ça raide un peu. Ça, c'est d'une douceur. Waouh, 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 waouh. Alors ouais, c'est un peu du luxe, hein, la paire de chaussettes, mais j'ai pas intérêt à les foirer, je vous le dis, moi. Mais ça, j'ai trouvé ça trop chouette. Donc, je suis un peu le même genre de coloris. Il n'y a que le rose où je n'ai pas tout à fait trouvé le même rose, mais j'ai pris un fraise, je crois. Donc, les coloris, si ça vous tente, ça, c'est la couleur 813. Je crois qu'ils l'appellent strawberry ou un truc comme ça, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais même pas si c'est en anglais ou si c'est en français, les noms. Celle-là, c'est écru. C'est la 101. Et celle-là, c'est genre un caramel 363. Voilà. Donc ça, j'essaierai, une fois que j'aurai fini au moins mon No Frills, j'essaierai ça. Encore dans mes histoires de chaussettes, de petits projets, parce que pour l'instant, je me suis dit, bah, Lila, attends, je vois plein de podcasts vachement sympas avec des chaussettes qui ont l'air bien. Du coup, j'ai commandé cette laine-là. Là, Downtown, je ne sais pas dire le nom, Chips, je ne sais pas. En fait, je ne savais pas quelle couleur prendre parce que c'est des autorayantes. J'aimais bien ça et surtout, c'est le nom qui m'a plu. Ça s'appelle, attention, After Dark. Et je trouve que par les temps qui courent, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein? Bon, voilà. Donc ça, j'essaierai aussi. Je pense que je ferai un modèle de chaussettes hyper simple. Je ne sais pas encore lequel, mais moi, comme vous l'avez compris, je ne suis pas une grande tricoteuse de chaussettes. Donc je vais faire un truc assez basique. Et dernière petite, c'est marrant parce que je tricote que de l'écru, du gris, du machin, et là c'est une explosion de couleurs. Donc il y a les chaussettes et machin. Et j'ai très envie, je vous en avais parlé la dernière fois, de faire un pull en mohair à rayures avec un fondu de couleurs. Moi j'aime beaucoup, je sais pas si ça vous parlera, mais c'est Saint-Laurent qui faisait ces mélanges-là de rose tyrien avec un rouge. Il y avait aussi Lacroix qui jouait beaucoup. Il y avait Kenzo qui faisait beaucoup de mélanges comme ça dans le orange, rose, rouge. Comme ça, ça chahute un peu comme couleur, mais je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, j'avais envie de me faire un pull à rayures. Alors, j'ai pas fait d'échantillon parce que, comme vous l'aurez compris, je préfère attendre de finir mes projets en cours, là. Pas trop me disperser, puis... Je travaille un peu à côté quand même, donc j'ai pas tant de temps que ça. Enfin, je travaille de la maison, donc voilà. Du coup, j'ai regardé, je voulais le fil Ombelle de chez Fonti, de Fonti. Alors, je sais pas si vous allez être prêts pour la couleur. Parce que là, ça pète, hein. Ça pète. En plus, choisir tout par internet, c'est pas franchement simple. Je n'ai pas encore le modèle de pull. Je voudrais, je pense, quelque chose d'aussi simple que le No Frills avec une construction basique pour ne pas embrouiller. Déjà, les rayures, ça va y aller, quoi. On voit du bois, quoi. Donc, un rose comme ça. Avec, un rouge. Un autre rose qui est encore plus peps. Je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais ce ne sont pas les mêmes roses. Il y a un tyrien et un rose encore plus machin.
Il y a un rouge qui est plus profond. Voilà. Et peut-être, c'était pour rigoler. La fille, qu'elle rigole. J'ai pris une espèce de mandarine comme ça, que je glisserai peut-être une petite rayure par-ci, une petite rayure par-là, histoire de faire un contraste encore plus saisissant, ou je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les mettre. Ce qui sera le plus près de mon visage, c'est probablement plutôt le rouge plus foncé, à mon avis. Ah, moi, mais mon avis sera plutôt celui-là. Parce que ça, c'est clair que près du visage, c'est un peu fort quand même. Mais bon. Et j'adore, moi. Voilà. Alors, je sais pas, je crois que je vais me transformer en bonbon. Voilà, j'avais envie d'un pull bonbon, sorbet, ce qu'on veut. Un truc qui apporte de la couleur. Est-ce que c'est la grisaille du moment? Les cotons-tiges dans le nez, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me fait marrer, ça me donne le sourire, donc voilà, il faut que je trouve juste le modèle. Alors, je vais faire un échantillon, ouais, moi qui ne fais jamais d'échantillon, mais je pense que là, il va falloir que j'en fasse un, pour voir la taille des bandes que je fais. J'arrive pas à me rendre compte si des bandes de 7 rangs, ça ira, ou si au contraire, ça va être... comme les couleurs se ressemblent, tout en n'étant pas similaires, n'est-ce pas? Je pense que ça peut être assez sympa de faire des bandes comme ça. Je vais voir. C'est surtout ça. Je sais pas comment je vais le glisser. J'ai qu'une pelote de ça. J'en ai deux de chaque, les autres. Mais ça, j'en ai qu'une parce que c'est vraiment un petit truc pour réveiller de temps en temps. Tiens, hop, hop, hop. On va voir. Puis il va falloir que je prenne des notes parce que comme je n'ai pas de modèle, pas de patron, tout ça, il va falloir que je sois un peu maligne. Mais l'idée, c'est de le faire en circulaire. Ce qui fait que, a priori, si ça devrait pouvoir se faire. Voilà. Si vous avez des conseils de patron à me donner, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, une petite des choses, c'est encore décousu, mais toute la laine que j'ai commandée, la laine à chaussettes et tout ça, et puis mon châle à cascadienne, je l'avais commandée donc chez Lille Wessel. Et j'ai trouvé ça, alors moi qui commande toujours souvent chez Kalidou, de la laine Drops, qui est très bien, hein, mais voilà, on a la commande. Là, c'était super bien emballé, dans du papier de soie, avec un petit mot de remerciement, un petit carnet tout mignon. Moi, j'ai trouvé ça top, quoi. J'ai trouvé ça super, super sympa. Donc, je commande rarement de la jolie laine, mais rien que pour ça, ça vaut le coup de temps en temps de se faire un petit cadeau, parce que, effectivement, ça change... ça change la perception du tricot, quoi. C'est encore autre chose. Voilà pour tous mes projets. Donc, si vous avez des idées d'accessoires, de choses rigolotes... J'hésitais à faire le... En plus de mes chaussettes et de mes pulls, mais il ne faut pas que je me lance dans trop de trucs à la fois. L'espèce de sac bourse de petite knit, là, elle fait des kits avec le petit sac gris. Je me dis que ça peut être sympa, moi qui suis fan de sacs. Je sais pas. Écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que je n'en aurai pas perdu la moitié en cours de route. J'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas souhaité la bonne année parce que je serre un peu les fesses avant de souhaiter la bonne année. Là, on se dit, bon, on va juste dire qu'il faut qu'elle soit mieux que l'année d'avant. Enfin, je pense, hein, pour à peu près tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est ce que je me souhaite. Eh bien voilà, je pense que la prochaine fois que je vous verrai, j'aurai sans doute fini le No Frills. Le gilet coquille, je ne sais pas, on verra bien. Portez-vous bien. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt sur la maille qui murmurait à mon oreille. Ciao !